le préfet à Regina après Wanari et Saint-Georges. Le maire demande le soutien de l'État sur ses projets, notamment la construction d'une couverture pour le plateau sportif où une toiture toute neuve s'était effondrée en 2009. Pour moi, le projet le plus urgent, c'est la couverture du plateau de sport. C'est la première revendication que je fais, c'est de pouvoir trouver des solutions pour avoir les financements qui avaient déjà été mis en place, mais malheureusement, eh bien, tout a été perdu. L'autre projet, c'est la rénovation de l'école de primaire de Regina. C'est les deux opérations les plus urgentes pour nous. Ça coûte combien ? Alors, pour le terrain de sport, il faut compter à peu près 400 000 euros. Et pour l'école, 1 million d'euros. Le préfet a affiché son accord avec ces projets. Ils seront suivis par une cellule bientôt créée en préfecture, une promesse de 2017 du président de la République. Nous allons créer une plateforme d'appui aux collectivités territoriales. Un maire a un projet, il vient voir cette plateforme et on vient lui dire quel financement mobiliser, quelles sont les procédures administratives à mettre en place et nous le suivons. Cette plateforme sera opérationnelle fin de cette année ou début d'année prochaine. Devant son conseil municipal, le maire a rappelé au préfet la promesse de son prédécesseur, accordée à la commune 10 contrats aidés financés à 75% par l'État contre 45% normalement. Il s'agit de PEC ou Parcours Emploi Compétences. Patrice Faure s'était engagé sur 10 PEC à 75%. On va financer près de 25 PEC à 45%, ce qui est transparent pour les communes, pour les finances de la commune et qui permettra à plus de personnes éloignées de l'emploi de bénéficier d'un dispositif qui peut leur permettre de se remettre un pied à l'étrier et de retrouver une activité intéressante pour eux. Un élu a aussi déploré la zone blanche pour les téléphones portables sur la zone agricole de Corossoni. Le préfet s'est engagé à se rendre sur place dès que possible. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet.